Bonjour et bienvenue dans le 33e épisode de mon Let's Play sur The Witcher 2, l'assassin des rois. Alors dans le précédent épisode, on est tombé sur un os, il y a une embuscade et je n'ai pas réussi à me dépatouiller de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous enregistrer toutes les tentatives que je vais faire, je vais juste vous montrer quand je vais réussir. Sous réserve que je réussisse. Attends. Ok. Bon. On va tenter là. Oui. Attendez. Peut-être que je peux mettre une. Quelle épée que j'utilise, bordel. Le problème, c'est que je sais jamais quelle épée on doit utiliser. Ça, c'est contre les humains, je crois. Bon, on va mettre une amélioration dessus. C'est où? Amélioration. Amélioration d'armure. Ah, bah tiens. Est-ce que je peux la mettre? Bah oui. Pourquoi pas. Amélioration naine. Bon bah. Autant, je sais pas. Alors contre les insectoïdes, contre les. Pierre de lune. Améliore l'épée. Dégâts plus 5%. Améliore l'épée, réduction des dégâts en défense, bonus des dégâts des signes. Bon, on va. Voilà. Et on va utiliser aussi. Pierre aiguisée. Tiens, j'en ai qu'une. Ah merde. J'ai pas de poudre de diamant. Bon, bah tant pis. Bon, j'espère que c'est la bonne. J'espère que c'est la bonne épée. Est-ce que je peux... Inventaire. Est-ce que je peux mettre des pièges quelque part? Coller, tiens. Voilà. Mets des pièges, mets des pièges, mets des pièges, mets des pièges. Pas que je lance le dialogue tout de suite, tout de suite. Bon, alors je vais faire une petite sauvegarde manuelle. On va changer Luciole, c'est quoi? Je suis désolé de prendre mon temps comme ça, mais aveugle et immobilise les cibles à portée. Blesse les cibles avec des projectiles. Libère un nuage de gaz empoisonné. Ok, donc on va commencer par la luciole. Faites gaffe. Allez. Il en a tué de meilleurs que nous. Allez. Putain. Dégage, dégage, dégage. Ah putain, 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 putain. Oui. Allez. Comment je vais m'en sortir là? Attendez, 4
de meilleur que nous. Allez, voilà. Allez, hop, dégage, 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 dégage. Oh putain. Mais merde, putain, comment il m'a buté. Allez, oui, oui, charge la dernière partie, oui. J'étais pas loin là. C'est, en fait, c'est les archers qui me posent problème. Et puis après, il faudrait que je change de. Est-ce que je peux pas mettre un autre piège là? Après, il faudra juste que je me prenne pas le pied dedans. Alors, 4. On va prendre la ruche. Allez. Merde, je me les prends sur la gueule. Ah putain. Allez, allez, prenez-vous. Allez, 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 allez. Faites gaffe, il en a tué de meilleurs que nous. Allez, 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 allez. Attendez, hop. Non, je vais garder le ken. Ah oui, là j'aurais pu parer. Enfin non, contre-attaquer. Voilà. Oh putain, c'est bon. Bon alors, c'était pas très glorieux de les attaquer avant, mais de toute façon... finalement, je vais vous montrer tous les... Je vais vous montrer tous les... toutes mes tentatives, puisque j'ai pas eu grand-chose. Alors, ramasser le piège... Allez, hop, montre-moi. Ramasser le piège, ok. Ouais, ils ont quand même été utiles. Hein. Bon, ça s'est pas si mal passé que ça. Hop là, désarmé. Hop là, j'ai le pied dessus. J'ai le pied dessus. Moi, je suis content de l'avoir ramassé le piège. Je suis bien content d'avoir réussi. Même si finalement, j'ai attaqué avant qu'il y ait quelque chose. Mais bon, je pense que ça ne gêne pas. Je pense que c'est pas un problème. Bah sinon, tant pis, hein, de toute façon. Ramasser le piège. Okay. Je suis toujours obligé de faire gaffe parce que... Ah, de l'héliport, parfait. Ça, c'est bon, ça, j'en avais pas beaucoup et c'est utile. Hop là, désarmer le piège. Merde. Bon, alors... c'est tout ce que j'ai récupéré. C'est pas compliqué, hein. Je vais voir, je sais que j'ai 15 pièges, ok. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Cueillir des plantes. Pétale d'hélébore, cueillir des plantes. Aconite. C'est tout. Il n'y a plus rien. Bon, ben on est parti, on continue. C'est quoi? Mais je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de loot. Mais bon, tant pis. Hein. C'est par là que je dois aller. Bon, les champignons, on va les laisser pour une fois. Et je craignais que ça soit beaucoup plus dur. Hein. Je vous cache pas que...
J'étais pas très sûr de moi là. Mais je pense que si j'avais laissé les dialogues, j'aurais pas pu. Parce que là, j'ai profité d'en allumer deux, trois. Bon, remarquez, je me suis mis aussi des bombes sur la gueule, hein. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, je suis content par rapport au premier, parce qu'on a beaucoup plus l'usage de signes différents que de différents de l'igni. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. C'est quoi, soldat? Allez. Voilà, bon. D'accord, je suis tombé dans un endroit où on m'aime pas. Ils me connaissent même pas, ils m'aiment déjà pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Cercle de vigueur. Pourquoi il m'a. Bon, remarquez, Nilfgaardien, normalement, c'est pas un copain. Il y a pas. Je peux pas ramasser. Je peux pas ramasser, non, bon. Ok, je m'attendais à avoir de la bestiole, mais finalement non, c'est de l'humain. Je peux pas descendre là. Eric, c'est haut, ça fait au moins 50 cm de haut. Qu'est-ce qui. Ok. Il faut que je regarde la carte. Ah, je suis où moi? Je suis là. Ah, mais comment j'y vais là? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Je vais essayer quelque chose. C'est lequel? C'est Hard qui. Ouais, bon, c'est pas ça. Ok, bon, on va passer par là. Oui, je continue sur cette histoire de signes. Oui, parce que dans le précédent épisode, alors c'est de ma faute, mais en même temps, je faisais ce qu'il y avait de plus efficace. Le seul signe que j'utilisais quasiment, c'est l'igni. Parce qu'il était très très efficace et je vois pas pourquoi je me serais embêté à utiliser les autres juste pour le plaisir. Là, j'ai besoin de les utiliser. C'est nettement plus agréable. Ah merde, faut que je change d'épée. Il y en a encore combien Allez, allez, ici? dégage, dégage, dégage. Dégage, faut que je change d'épée parce que j'avais l'épée des humains là. Et faut que je change de signe aussi. Quen. Voilà. Putain, allez, voilà. Bon. Voilà, comme je vous disais, j'ai l'utilité de prendre essence de mort. Mais si je me suis retrouvé mal embarqué dans ce combat, c'est principalement parce que j'avais pas la bonne épée en main, puisque comme je m'étais fait attaquer par des enfin un Nilfgaardien, j'avais une épée contre les humains, et ce qui n'est pas le plus efficace. Ah merde, j'ai pas réussi à lancer le Quen. Qu'est-ce qu'il y a là? Déplié. Ah bah finalement je suis allé au bon endroit. Fouiller. Hop putain. Allez, on va dégager.
pour le moment. Il faut que je joue plus avec les parades. Et là, c'est bon. Bon, quand il y en a... Fouiller, ok, on peut prendre. Vous êtes trop chargé, ta gueule. Ok, donc inventaire. De quoi je vais me débarrasser? Arme supplémentaire, ouais, mais... H-Nen. Épée elfique. 15-22. 15-24, ouais. 5-7, alors ça, je peux l'abandonner. Je pense pas avoir vraiment besoin de... Je me demande si je peux récupérer mes runes et mes conneries comme ça sur... sur ce que j'ai déjà mis. Ok, fouiller, non, c'est le marteau. Il est plus là, mon fantôme. Il est plus là, mon fantôme. Bon, bah tant pis. Bon alors, est-ce que j'ai fini avec cette salle? Non. Ah putain, mais c'est fichu. Ouais, je suis trop chargé, je sais. Je sais, encore. Qu'est-ce que j'ai pris qui pèse si lourd, bordel? Messer elfique. Saignement 13-14. Ouais, non, c'est nettement moins bon, hein, mais... Épée elfique, messer elfique. La pioche... Putain, mais elle est... Finalement, elle fait pas mal de dégâts, hein. Elle en fait presque... Elle en fait autant que... Que mon arme. C'est bon niveau du poids, 245, oui. Examiner le cadavre. Ce corps est entièrement décomposé. Pioche. Ah, là, il est fouillé, voilà. Essence de mort. Examiner le cadavre. Ce corps est entièrement décomposé. Bon. Ici, rien. Vieux pour ces conneries. Allez, dégage, dégage. Par où? Par là. Voilà, bon. C'est un peu du grand n'importe quoi, mes combats, mais pour l'instant, ça va. Ok. Bon, je vais rencontrer des spectres en permanence, là. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok. Déplier. Ouais, mais je vais mettre un Quen d'abord. Ce corps est entièrement décomposé. Voilà. Voilà, voilà, c'est très bon. Alors, pendant que j'ai le Quen qui est activé... déplier. On recule. Il y en a pas? Ah bah tiens, fouiller. Ficelle, examiner le cadavre. Ce corps est entièrement décomposé. Ils sont tous décomposés, apparemment. Fouiller. Examiner le cadavre. Ce corps est entièrement décomposé. Ok, bon, ben... Est-ce que je suis dans la bonne zone, au moins? Oui, je pense, oui. Hop.
fais voir la carte. Un cœur vacillant. Ouais, bon, apparemment. Ouais, non, mais je me dirige pas vraiment. Ouais, que je casse ça. Ah oui, mais... Est-ce que j'ai un autre chemin à prendre? Je crois pas. Je ne pense pas avoir un autre chemin. C'est celui que... Ouais. Qu'est-ce qui... Ok, cercle d'endurance. Mais ça m'est pas très utile. Bon, je me débrouille un tout petit peu mieux quand même au niveau des combats. Hein. Ça. Bon, il faut que je sorte de là, mais. Il faut que je trouve un autre endroit. Non mais c'est par là que je, c'est de là que je viens. Bon sang. Allez. Allez putain, je vois rien, dégage. Dégage. Oh putain. Allez. Ils sont peut-être un peu nombreux là quand même. Alors, hop, on va prendre Igni. Ils étaient quand même tout un troupeau. Et ils sont partis où? Ils sont partis où? Bon. Où est-ce que je suis? Ah non, c'est pas ça. Bon sang, comment je vais là, moi? Comment je vais là-haut? Peut-être par là. Ok, bon, on va essayer. Trouver un chemin qui veuille bien me laisser passer. C'est quoi ça? Cueillir des plantes, ok. Qu'est-ce que je vois là? Rien, il n'y a rien là. Rien. Reste par là. Allez. Tiens, noyadé. Voilà. T'as eu ce que tu mérites. Il faudrait que j'essaye de parer aussi contre eux. J'ai encore jamais vraiment essayé. Essence d'eau. Bon, on va sauvegarder. Cœur de Necker. Cœur de Necker. Ah putain, je me rappelle plus de la chanson. Non, merde. Avec mon cœur de Necker, j'ai jamais su dire je t'aime. Et pourtant, je t'aime quand même. C'est Cœur de Rocker, hein, de Julien Clerc. Et au risque de vous surprendre, il chante beaucoup mieux que moi. ok. Pff, je sais pas si je vais dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi ça? Aconite, oui, mais pourquoi ça...
Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Ah mais non, mais je viens de faire le tour. Je viens de faire le tour, bordel. Bah oui, j'ai fait ça. Je suis vachement avancé. Et c'est pour ça que je me disais que c'était pas tout à fait normal que le pylône qui me donne un bonus soit déjà activé. Alors est-ce que je peux passer par là? Oh putain! Tempête. Allez! Oh putain, ça fait beaucoup quand même. Là, je vois rien, je vois rien. Allez, dégage, 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 dégage. Quen. Où il est le Quen? Il est le... là. Ah bah, elles se sont barrées, les connes. Ah non. Bon, bah voilà, je l'ai enchaîné. Ah oui. Mais allez, voilà, on va prendre l'igni. Viens ici, salope. Voilà, bon, j'ai plus le Quen, mais je n'en ai plus l'utilité. Voilà, bon, le combat s'est pas trop mal passé quand même. Sauvegarde, ok, donc c'est qu'il n'y a plus personne. Fouiller, serre de harpie, plume de harpie, ficelle. C'est la première fois que j'y rencontre les harpies, je crois. Oh, y avait... Ah oui, je suis un peu trop chargé. On va d'abord ramasser tous les trucs et puis après on va se débarrasser de saloperies. Là encore un petit dernier. Voilà, bon. Alors, d'abord, je vais me faire quelques potions. Je vais me faire quelques potions. Ça m'enlèvera peut-être. Alors, hirondelle. Boire des potions. Ah non, mais c'est pas. Je veux pas boire, moi. Je veux machiner des potions. Attends, c'est quoi ça? C'est l'hélébore? Ouais, donc on va attendre. J'ai tout ce que je peux faire là. D'accord, rêve de dragon. Non. Oh merde, c'est quoi ça? Brian, ok, bon, je vais en faire une, hein, puisque j'en ai qu'une de possible. Je vais faire un chat. Ah, par contre, c'est les pétales et les bords qu'il faudrait que je... Luciole, qu'est-ce que permet la vision dans l'obscurité à travers les murs? Non, c'est aveugle et immobilise les cibles à portée. Ah oui, c'est des bombes, ça. Je suis con. Mangouste, ça, je m'en fous. Augmente la puissance des signes. Mais on est tout. Mais putain, mais c'est le produit le plus utile. C'est quoi ça? Venin d'Andriag, ok. Donc c'est le sang de Falca. Dégâts plus 10%. Ouais, ben je vais en faire. L'idée c'est de faire que j'ai un petit peu moins de poids. Alors je sais pas si ça va être utile. Bombe, libère, j'en ai. Okay. Étoile dansante, c'est quoi ça? Bombe, explose au contact du feu. Boîte à mitraille. C'est quoi ça? Salive de harpie. Ok. Eh ben, je vais en créer deux.
assez pénible quand je suis avec la souris comme ça parce qu'elle est très lente, elle est ingérable. Je sais pas de quoi ça, comment ça se fait, mais dans le jeu, j'ai pas de problème. Chahuant augmente le regain de vigueur. Freux augmente les dégâts à l'épée. Ouais, bah, je peux toujours en faire quelques-uns. Allez, 10. Bon, voilà où on en est au niveau des du poids. 255, ok. Donc faut que je me débarrasse encore d'une connerie. Est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir vu un bouquin Conclave des mages? Non. Objet de quête? Non. Ok. Médaillon en pierre, Camelot. Ça vaut que ça, ça pèse que dalle. Serre de harpie, c'est lourd. Minerai d'argent, armure d'Arrakas. On va encore virer une arme. Hein. Allez, hein. La chenaine. Voilà. Et je vais en profiter pour mettre un terme à l'épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, à partager les vidéos, à mettre des pouces ou à regarder mes autres vidéos. Voilà, merci, au revoir.